Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto sur la nouvelle map zombie Der Eisendrache. Un tuto dans lequel je vais vous montrer comment améliorer l'arc des loups à sa possibilité maximum. Donc comme vous le savez tous probablement déjà, vous avez la possibilité de récupérer la colère des anciens qui n'est autre qu'un arc que vous obtenez en nourrissant 3 têtes de dragon dans la map. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à consulter nos précédentes vidéos. Donc une fois que vous avez cet arc en main, vous allez pouvoir l'améliorer de 4 façons différentes et aujourd'hui on va se concentrer sur l'arc des loups dont le nom définitif sera le Criollo Loup Crima Salette. Première étape de cette amélioration, il va falloir chercher 4 tableaux dans la map, le premier se trouvant dans le donjon que je vous montre actuellement. Alors bien évidemment ces tableaux vont devoir être activés. Il va falloir activer ces 4 tableaux en appuyant sur la touche action dans un ordre successif. Bien évidemment, l'ordre va changer à chaque fois que vous relancerez une nouvelle partie de zombies, donc je n'ai pas d'ordre précis à vous donner. Tout ce que je peux faire, c'est vous montrer uniquement les emplacements des 4 tableaux. Donc comme vous l'avez vu, le premier et le deuxième se situent à 2 étages différents de l'une des tours du donjon. Le troisième se trouve à l'étage de la salle des écrans verts, donc autrement dit de l'église. Et le quatrième, quant à lui, se trouve dans la salle des chevaliers. Une fois que vous avez trouvé l'ordre précis dans lequel activer successivement ces 4 tableaux, il va vous falloir redescendre jusqu'à la pyramide et récupérer la flèche qui aura spawn à la place du précédent logo de la tête des loups. Lorsque vous aurez validé cette étape, il va falloir vous téléporter dans la zone de lancement de la fusée. Il y aura un drapeau qui va spawn en hauteur. Il va falloir tout simplement bander votre arc et réussir à toucher ce drapeau avec votre flèche. Un drapeau qui va donc vous donner un crâne bleu. Ensuite, il vous faudra redescendre à nouveau près de la pyramide afin de placer ce crâne bleu dans le coffre et vous pourrez alors voir apparaître un magnifique loup. Il va falloir à présent suivre partout à travers la map. Le loup va donc s'arrêter à 3 endroits différents de la map, le premier étant celui-ci. Donc il a activé un petit tas de débris sur le sol et il va falloir tout simplement éliminer un certain nombre de zombies sur ce tas de débris jusqu'à ce que le loup vienne y fouiller et y manger les restes de zombies. Une fois ceci fait, vous devrez faire la touche action auprès du petit tas de détritus et le loup va alors se rendre à sa destination suivante. La prochaine place où il va s'arrêter se trouve non loin du double coup et il va falloir réitérer la même opération. Une fois que la quantité suffisante de zombies a été éliminée et une fois que le loup a mangé le reste de zombies, vous allez à nouveau faire la touche action et vous allez poursuivre vers la troisième destination du loup. Alors bien évidemment, rien ne vous oblige à suivre absolument le loup, vous pouvez tout à fait poursuivre votre aventure dans la map, le loup ne disparaîtra pas pour autant. Le troisième et dernier emplacement se situe donc à nouveau au sous-sol auprès de la pyramide et il va falloir évidemment répéter une troisième fois cette opération, c'est-à-dire éliminer un certain nombre de zombies, peu importe avec quelle arme vous le faites, du moment que ce soit suffisant pour que le loup vienne y manger les restes de corps des zombies. Et donc voilà, la troisième étape est terminée, vous allez donc voir le loup courir comme un fou et venir appuyer ses pattes avant sur un mur. Tout simplement, il vous indique la position d'un sarcophage qui se situe dans le mur. Il va donc falloir attendre les moments d'apesanteur qui se reproduisent plusieurs fois au cours de la même manche à intervalles réguliers sans que vous soyez obligé de passer la manche. Votre but est donc simple, il va falloir vous projeter contre le mur, vous maintenir un maximum de fois en apesanteur afin de pouvoir tirer une flèche dans ce caveau. Lorsque vous aurez réussi cette étape, une plateforme va alors spawn. Une plateforme sur laquelle vous pourrez monter afin de vous y poser tranquillement et de récupérer la flèche reforgée qu'un squelette va vous donner. Vous approchez donc maintenant doucement et sûrement la fin de cette amélioration puisqu'il va falloir tout simplement mettre cette flèche dans le coffre qui correspond au schéma des loups, puis il va falloir réaliser, comme pour les autres arcs, une vingtaine d'éliminations à proximité du coffre afin de pouvoir le charger complètement. Lorsqu'un petit bruit se fait entendre, votre arc complètement chargé est maintenant disponible. Il ne vous reste plus qu'à faire la touche action sur le coffre afin d'en récupérer l'arc définitif ou le Criollo. Lors de votre première flèche, vous pourrez ainsi débloquer un nouveau trophée. Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit tuto. Comme vous pouvez le voir, cette amélioration n'est pas très compliquée, ce qui ne sera pas le cas pour l'arc de feu dont la vidéo va suivre prochainement. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres infos et prenez soin de vous. Ciao tout le monde !